contre les libéraux ne fonctionne pas. Il faut respecter les municipalités, mais aussi donner les outils financiers dont les municipalités ont besoin pour construire plus de logements. Une question rapide, le député de Kitchener Centre, le député de Charleswood, St. James, Assiniboia, Headingley, nous dit qu'il faut mettre l'accent sur l'abordabilité, mais il n'a pas parlé des profits des entreprises qui entraînent la hausse de l'inflation, notamment l'industrie gazière et pétrolière. 18 sous de chaque dollar payé à la pompe est dû au profit accru de l'industrie gazière et pétrolière. 36 milliards de dollars, c'est ce que les cinq principales compagnies ont engrangé. Est-ce qu'il est pour une taxe sur les profits excédentaires, ne serait-ce que 15 % des profits au-delà d'un milliard, pour réinvestir tout cet argent un peu partout au pays? Une réponse rapide de notre collègue. Madame la Présidente, franchement, j'en ai assez que les députés socialistes essayent de pénaliser les gens qui réussissent au sein de la société. On veut que les entreprises privées réussissent pour qu'elles emploient plus de gens, créent de bons emplois. Il faut créer de bons emplois bien rémunérés. Mais au-delà de tout cela, je n'aime pas que des collègues nous disent que si on augmente les taxes, ça va rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. 38 du règlement, je dois faire connaître à la...